شكرا سمير بن شخروني. إذن من ملعب أكادير الكبير حيث مباراة المنتخب الوطني المغربي ومنتخب الزيمبابوي، مباراة ثانية للمنتخب الوطني بعد الأولى أمام البنين واكتساح مرمى بستة أهداف مقابل هدف واحد. يحضر معي مصطفى حجي المدرب المساعد للمنتخب الوطني. مصطفى، أول سؤال، ربما مباراة اليوم أمام منتخب زيمبابوي بعد مباراة البنين، الفوز بستة أهداف مقابل هدف واحد، هي مباراة الطاقم التقني للمنتخب المغربي، يعني إصلاح بعض الأخطاء اللي كانت في مباراة الماضية ووضع آخر الرتوشات على المنتخب الوطني والتشكيلة النهائية. Bonsoir d'ailleurs. Et oui, le match est important et il va rester dans la continuité. Il y a quelques changements. Il y a Benidir par exemple qui arrive, il y a Bono comme gardien. Mais on va rester concentré. Les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. Le Bénin était très difficile, même si on a gagné 6-1, le match n'a pas été évident. Les garçons, ils ont bien joué. Les consignes qui ont été. Pour moi, il y a des garçons comme par exemple Marwan Chama qui est arrivé dans l'équipe, qui a apporté un plus. Donc on voit les joueurs qui commencent à s'adapter un petit peu à l'attente du staff et du coach. Donc alhamdoulilah, on est dans la continuité ce match de ce soir. On va essayer de se faire plaisir, de continuer d'être très concentré malgré les circonstances. Donc on sait que la Coupe d'Afrique n'est pas là, mais on va rester concentré. On porte l'équipe nationale, comme je l'ai dit, on porte les couleurs de l'équipe nationale. Et les joueurs ils sont conscients. Donc on est en train de construire. Et donc il ne faut pas lâcher, il faut continuer. Donc le travail c'est comme ça, c'est sur du long terme. Et donc Inch'Allah, on attend beaucoup des joueurs encore ce soir. On leur a dit que ça n'a pas été un match facile. Il ne faut pas penser qu'en gagnant 6-5 contre le Bénin, que ça va se reproduire aujourd'hui. Si on ne garde pas les mêmes concentrations, la même détermination et le même sérieux, ça va être très difficile. Mais Inch'Allah, ils sont très concentrés et qu'on khair, Inch'Allah. اليوم عيد ميلاد مصطفى حجي، جويز انيفرسير، ونتمنوا ان اللاعبين تكون حصه كبيره باش يهديوك واحد الكادو في هذه المباراه. Bah merci, c'est gentil. Moi, l'essentiel, le plus beau cadeau, c'est que le public marocain soit content et que les gens retrouvent enfin l'envie de venir au stade pour regarder cette équipe nationale qui le mérite parce qu'il y a vraiment des super joueurs. Inch'Allah, tantemina alayhom al-khair. Et comme je vous dis, mon cadeau, c'est que tout le monde soit content. Okay, merci, Mustafa Haji. Joyeux anniversaire. Et donc, مشاهدينا المنتخب الوطني المغربي سيدخل بالتشكيلة الأساسية بانو.